Alors, je me présente Caroline Deguire, présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, votre chambre de commerce. Et il me fait plaisir également d'être en présence de Mme Anne-Marie Étier, qui est associée chez Deloitte, mais également notre présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce et évidemment notre ministre Jean Boulet, qu'on va avoir la chance de présenter dans quelques instants. Alors, j'aimerais souligner que c'est une belle initiative qu'on a aujourd'hui en réponse à vos questions, chers membres et entrepreneurs, commerces, entreprises de services, concernant évidemment tout ce qui touche main-d'œuvre, talent et besoins que vous avez actuellement. Et il y a toutes sortes de programmes actuellement mis en œuvre et je sais que certains d'entre vous, vous avez communiqué vos points d'interrogation, vos questions et votre intérêt face à toutes les initiatives et les programmes actuels ou qui évoluent, qui pourraient être en réponse à vos besoins. Et donc, un grand merci au ministre d'avoir accepté notre invitation de venir justement voir comment tirer notre épingle du jeu face à tous ces grands défis-là. Et plus particulièrement, je sais également, M. le ministre, que vous avez une certaine sensibilité aux chambres de commerce pour avoir vous-même été en Mauricie, là, très proche de ces organisations-là. Pour nous, c'est quelque chose de bien important qu'on puisse continuer sur le territoire à œuvrer et à l'écoute. À Laval, je ne vous cache pas qu'on a deux réalités pour nos entreprises au niveau de la main-d'œuvre. Tout ce qui touche évidemment les talents spécialisés, mais également tous les métiers non spécialisés. On a besoin d'un équilibre. Les entreprises ont des besoins dans les deux sphères, des métiers spécialisés et des métiers non spécialisés également. Et on cherche toujours à satisfaire l'ensemble des besoins. Et donc, ça va être une belle opportunité pour les 45 prochaines minutes de pouvoir échanger ensemble. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre présidente du conseil, Mme Anne-Marie Étier, associée chez Deloitte. Anne-Marie. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et je vous souhaite, j'en profite pour vous souhaiter un bon début de semaine. Le capital humain est au cœur de la capacité de reprise des PME. On peut réitérer l'importance des ressources humaines face aux défis que rencontrent les entreprises, commerces et industriels qui cherchent des solutions tout en soulignant également l'importance d'accélérer les démarches et les services de soutien. Comme vous le savez, les défis de main-d'œuvre sont présents autant au niveau de la main-d'œuvre qualifiée que des métiers non spécialisés. La pandémie a eu de durs impacts sur bon nombre d'entreprises et à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, nous travaillons vraiment sans cesse pour vous aider à trouver des solutions, à vous soutenir et à vous accompagner dans la tempête. Nous devons travailler ensemble, les chambres de commerce avec les différents paliers de gouvernement, dans un objectif commun afin d'aider et soutenir nos entrepreneurs à tirer leur épingle du jeu. Dans ces temps incertains, nos leaders politiques, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, doivent plus que jamais faire preuve de créativité, d'agilité et surtout d'innovation afin d'être proactifs plutôt créatifs dans l'élaboration de solutions. Alors, j'en profite pour vous présenter maintenant notre invité de ce midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous présente M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et également ministre responsable de la région de la Mauricie. Merci beaucoup et je vous cède la parole, M. le ministre. Merci, Anne-Marie. Qui est effectivement présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Puis Caroline, merci. Évidemment, toi, tu es présidente, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Effectivement, les chambres de commerce, c'est un milieu que je connais bien. J'ai été impliqué dès le début de ma carrière dans la Chambre de commerce à Trois-Rivières. Puis maintenant, je travaille beaucoup avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Vous jouez un rôle qui est vraiment essentiel et fondamental. Hein? Vous êtes des espèces de tentacules dans chacune des villes. Puis les chambres de commerce, c'est plus ce que ça a déjà été. Ce n'est pas que des organisations qui font des activités, mais vous êtes devenus des catalyseurs, des provocateurs de réactions. Puis vous aidez évidemment vos membres à se développer puis à acquérir les compétences qui sont nécessaires pour relever leurs défis. Il y en a un, bien sûr, qui est celui de la pénurie de main-d'œuvre.
qui nous affecte depuis un certain nombre d'années. On avait prévu le vieillissement de la population, cette démographie-là. Elle est devenue un enjeu qui est vraiment incontournable. Puis on en a encore pour un certain nombre d'années parce que la population des 15 à 64 ans va continuer de diminuer jusqu'en 2030, puis il n'y aura pas de rétablissement complet avant la fin des années 2030. Donc, le nombre de personnes qui peuvent remplacer celles qui partent à la retraite n'est pas suffisant. Fait qu'il faut trouver des façons nouvelles de répondre à nos besoins de main-d'œuvre. Et bon, vous savez, en septembre 2019, j'avais lancé un plan d'action pour la main-d'œuvre qui s'articulait autour de la formation, la requalification, l'immigration, puis la productivité. Et le 30 novembre dernier, j'ai lancé avec le premier ministre du Québec puis ma collègue à l'enseignement supérieur une vaste opération main-d'œuvre. Je pense que c'est une offensive majeure qui représente à peu près 3,9 milliards de dollars, dont 2,9 sont des crédits additionnels. Et on bonifie le plan d'action pour la main-d'œuvre, mais on cible des secteurs publics essentiels, soit la santé, l'éducation, puis évidemment la petite enfance. Puis il y a beaucoup, évidemment, de professions que vous connaissez, les infirmières, mais il y a aussi les éducateurs, éducatrices à la petite enfance, les psychothérapeutes et autres, parce que tout ce qui concerne la santé mentale en fait, bien sûr, partie. Ça, à plus court terme, on a des besoins qui sont fondamentaux pour le bon fonctionnement du Québec. Il y a des secteurs névralgiques dans l'économie que je qualifierais de plus privée, c'est-à-dire les technologies de l'information, la construction et le génie. Et dans cette opération main-d'œuvre, je veux juste vous rappeler qu'on a mis en place des bourses Perspectives Québec qui sont des incitatifs financiers pour permettre aux personnes d'étudier dans ces secteurs stratégiques-là la vigueur économique du Québec. Et tu sais, par exemple, quelqu'un qui, au niveau collégial, étudie dans un des programmes qui fait partie de ces bourses-là, dès qu'il complète une session, il a accès à une bourse de 1500 $ alors qu'au niveau universitaire, c'est 2500 $ par session complète. Et notre objectif, c'est dans les 5 prochaines années d'attirer, de former, de requalifier 160 000 travailleurs, 70 000 dans les services publics essentiels et près de 100 000 dans les secteurs stratégiques. C'est important de dire qu'au Québec, on doit d'ailleurs devenir une société apprenante, on doit transformer nos milieux de travail en environnement d'apprentissage. C'est pour ça que dans plusieurs secteurs où il y a des déficits de main-d'œuvre, on a mis en place des formations en alternance travail-études qui permettent aux personnes, tout en travaillant, de bénéficier d'un apprentissage, que ce soit au niveau professionnel, collégial et universitaire, et d'être soutenues financièrement. On m'avait demandé de parler particulièrement d'immigration aujourd'hui, de programme des travailleurs étrangers temporaires. Je vais laisser Anne-Marie et Caroline le soin aux personnes, à certaines personnes intervenantes, de poser des questions. Je pourrais vous faire des commentaires un peu plus approfondis, mais l'immigration, c'est sûr que c'est une des options qui doit être utilisée pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre. Et le programme des travailleurs étrangers temporaires, il est devenu un incontournable pour répondre à des besoins pressants et urgents. Je vous rappellerai que le 4 août dernier, on a fait une entente, ma collègue qui était au MIFI à l'époque, et moi, avec nos collègues à Ottawa, le ministre de l'Immigration et la ministre responsable de l'Emploi et Développement social, et on a convenu d'un certain nombre d'assouplissements au programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a un de ces assouplissements qui est entré en vigueur au début décembre, qui permet à certains emplois ou certains secteurs de catégorie 2D, donc des emplois moins qualifiés, d'être soustraits de l'obligation de démontrer qu'on a affiché pendant un mois puis qu'on n'est pas capable de trouver de la main-d'œuvre locale. Et un autre qui est entré en vigueur il y a à peu près 10 jours et qui fait passer le seuil de 10 à 20 % dans des secteurs
qui sont extrêmement importants pour l'économie québécoise. Vous le savez, la restauration, l'hébergement, l'hôtellerie, le manufacturier, la transformation alimentaire, le commerce de détail, où on était limité à 10 % de travailleurs étrangers temporaires, ce seuil-là a été haussé à 20 %. Certaines qui sont plus familiers avec ce programme-là savent que l'idéal, c'est d'accéder à la catégorie qui donne accès à un traitement simplifié. Ça, on a 37 emplois professions qui vont éventuellement y accéder en application de l'entente qui est intervenue le 4 août dernier, mais on est encore en discussion avec Ottawa pour s'assurer que ça puisse être mis en application de la façon la plus harmonieuse possible. J'ai lancé aussi un programme au début du mois de décembre de 130 millions de dollars sur 2 ans pour reconnaître les acquis, les compétences des personnes qui viennent de l'étranger. Vous le savez, souvent les personnes arrivent chez nous puis ils exercent des métiers ou des professions qui ne sont pas compatibles avec leur cheminement académique ou professionnel dans leur pays d'origine. Je ne veux pas utiliser des exemples qui instrumentaliseraient ce type de profil-là, là, mais c'est des infirmières, c'est des médecins, c'est des vétérinaires. Peu importe le secteur d'activité, ils n'ont pas complété leur formation. Il faut s'assurer de les prendre en charge, de bien les accueillir quand ils sont au Québec, leur donner un soutien financier, accroître l'offre de formation d'appoint, les accompagner de manière personnalisée et les aider à intégrer le marché de l'emploi dans les meilleurs délais possibles. Et ce programme-là de reconnaissance des acquis et compétences, il était attendu depuis longtemps, puis j'étais bien fier de l'annoncer avec la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec. Et ça, toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, indépendamment de leur secteur d'activité, peuvent en bénéficier. Je ne peux pas arrêter de mon allocution sans vous dire l'importance de l'intégration des personnes un peu plus éloignées du marché de l'emploi. Les personnes en situation de handicap, je veux juste vous rappeler que si on avait le même taux d'emploi chez les personnes handicapées que dans le reste du Canada, on aurait 20 000 personnes additionnelles dans nos entreprises. Ça m'est arrivé d'aller dans des environnements de travail où je côtoyais des personnes trisomiques, des personnes autistes qui travaillaient à côté d'entreprises hyper robotisées, hyper automatisées, des personnes loyales, matures, heureuses de travailler. Les personnes que moi j'appelle expérimentées, les personnes en haut de 60 ans, si on avait le même taux d'emploi que dans le reste du Canada chez les 60-69 ans, on aurait à peu près 70 000 travailleurs de plus. Les jeunes représentent à peu près 54 % de nos besoins en main-d'œuvre dans les 10 prochaines années. Nos têtes de pont, ceux avec qui on a fait une entente historique l'année dernière, les Carrefour Jeunesse Emploi, ils ont des intervenants qui vont accompagner les jeunes pour leur permettre de revenir en emploi ou de revenir sur les bancs d'école. Les personnes issues des Premières Nations dans certaines régions, il y en a beaucoup, mais il y a toutes ces clientèles-là qui doivent bénéficier d'un accompagnement personnalisé et dont les employeurs peuvent avoir recours à une subvention salariale quand elles intègrent ces personnes-là. Et pas besoin de mentionner aussi les personnes immigrantes et les travailleurs étrangers temporaires. Le taux de chômage dans la région de Laval, là, il est à 4,2 % actuellement. Fait qu'il faut bénéficier de ces clientèles-là. Dernier mot sur la productivité. Ça, c'est un défi. Il n'y a pas un secteur qui est à l'abri de l'incontournabilité de l'automatisation, la numérisation, l'intégration de l'intelligence artificielle. Ces processus-là, ils visent à répondre à des besoins de main-d'œuvre. Ils visent aussi à non seulement améliorer la productivité, mais à rendre les organisations plus rentables et vise à éliminer souvent des tâches répétitives. Ce n'est pas d'éliminer du capital humain, c'est de donner une valeur ajoutée à ceux qui travaillent, leur donner accès à des conditions de travail qui sont supérieures, et je pense que tout le monde est gagnant. La pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas une responsabilité qui ne repose que sur les épaules de l'État,
c'est un défi de société, c'est quand tous les partenaires du marché de l'emploi réaliseront que c'est capital pour l'avenir du Québec. Et il y aura un impact aussi sur le rapport de force des employeurs. Alors, vous le savez, quand on vivait une période de chômage endémique, les employeurs avaient plus le gros bout du bâton. Maintenant, je le sens aux tables de négociation dans les entreprises syndiquées. Et quand c'est des rapports individuels de travail, les travailleurs y ont un meilleur rapport de force qui a un impact, bien sûr, sur l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des salaires. Je voyais des études, des sondages faits par la BDC, les Hautes études commerciales à Montréal. Les entreprises qui offrent la flexibilité dans les horaires de travail ont des mesures de conciliation famille-travail, ont des régimes d'avantages sociaux, ont des meilleurs salaires, ils ont beaucoup moins de difficultés de recrutement et les entreprises qui intègrent des nouvelles technologies attirent beaucoup plus aisément aussi des employés et réussissent à les fidéliser de façon véritablement importante. Donc, il y a des ressources à Service Québec, il y a des ressources, des conseillers, des conseillères en immigration qui peuvent donner la main aux entreprises, leur faire connaître l'inventaire des mesures et des programmes, des aides financières. Quand on veut, on est capable. Quand on est soucieux de l'importance du capital humain, on trouve des façons de se distinguer et de répondre à nos besoins. Ceci dit, je ne suis pas naïf. Je sais qu'encore, puis on aura des difficultés à respecter tous nos contrats. On manquera de main-d'œuvre, mais il faut s'assurer de faire tout en notre possible pour diminuer l'impact que ça peut avoir. Alors voilà, Anne-Marie, Caroline, c'était les quelques mots que je voulais prononcer dans un premier temps. Et maintenant, ça me fait plaisir, bien sûr, d'entendre vos commentaires ou de répondre à vos questions. Un grand, grand merci d'avoir fait le tour, effectivement, de la question. C'était l'objectif de notre dialogue d'aujourd'hui. Et pour, parce qu'en mode Zoom, c'est pas toujours la même façon. Alors, pour pouvoir justement, on a reçu un certain nombre de questionnements de toutes sortes de la part des industries, des entreprises, des jeunes de la relève d'affaires. Et donc, en mode panel un peu et dialogue, on va poursuivre la prochaine partie de cet échange de ce midi en invitant, et je l'invite immédiatement, là, Madame Marie-Christine Piedboeuf, qui est de Pélican International et qui est également la présidente du conseil d'administration de Prox Industriel. Je vous rappelle tantôt, on avait mentionné que Prox Industriel, le partenaire de la Chambre, qui était justement là, en appui à la réalisation de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, bienvenue parmi nous, Marie-Christine. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ministre. Oui, bonjour, Marie-Christine. Bonjour. Alors, peut-être qu'on peut se mettre en mode tout le monde sans faire de simplement les trois personnes, là, sans faire de spotlight nécessairement sur personne. Là. On pourrait peut-être se mettre tous les trois. Ça va peut-être être plus sympathique pour notre échange. Là. J'ai certaines des entreprises. On a une entreprise qui est un grossiste distributeur avec des tissus spécialisés là, et dans le domaine de la santé à Laval. Et une des préoccupations qu'ils avaient, et puis vous allez voir, il y a quelques éléments là, dans la question. Alors, permettez-moi de passer à travers pour vous tous. Actuellement, il y a des défis au niveau des processus d'embauche pour les travailleurs temporaires étrangers. Il parlait donc du fameux programme PTET dont vous faisiez allusion, Monsieur le ministre, tantôt. Et plusieurs trouvent que c'est une stratégie qu'ils considèrent qui va être coûteuse et à long terme, qui peut avoir des défis. Alors, un des éléments, ce serait comment est-ce qu'on peut ici regarder avoir les sous-... bureaucratie, élargir l'éligibilité qu'on mentionne, plus spécifiquement de voir comment de la main-d'œuvre non spécialisée peut faire partie de la main-d'œuvre qui pourrait être apportée au pays en renfort. Quelles sont les différentes stratégies moyen et long terme? Puis Marie-Christine, plus spécifiquement, au sein de Pélican, moi, je vais être curieuse de savoir un petit peu comment est-ce que vous vivez la réalité de travailler avec des gens, justement, la nécessité de travailler avec des gens à l'étranger.
pour un programme qui peut parfois sembler difficile d'accès ou qui a encore ses petits défis à solutionner. Et puis, Monsieur le ministre, une des entreprises qui nous le mentionne, c'est, je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés par rapport à l'ensemble des initiatives. Je pense que vous avez énuméré plusieurs d'entre elles tantôt. On serait curieux de voir par rapport justement à cette stratégie-là. Grosse question, plusieurs éléments dedans, mais je pense qu'on pourrait peut-être en discuter. On va se donner un petit 5 minutes là, pour échanger sur celui-ci. Marie-Christine, l'expérience de Pélican par rapport à ce programme? Donc, je peux parler pour Pélican et en même temps pour Prox Industriel. Le gros besoin, puis on a fait une étude avec Prox Industriel, c'est au niveau de la main-d'œuvre spécialisée. 70 % des besoins, au moins, c'est de la main-d'œuvre non spécialisée qui est requise chez Pélican. C'est presque plus, c'est plus dans l'usine qu'on a besoin. Je dirais actuellement, il peut manquer 70 personnes dans l'usine pour 5 personnes dans les bureaux. Donc, c'est vraiment les gros besoins. Et encore, on a mis en place beaucoup certaines stratégies dont vous parlez. On fait assembler beaucoup de kayaks, c'est des kayaks de Pélican fait. Beaucoup de kayaks sont assemblés à l'extérieur avec la main-d'œuvre un peu plus éloignée du marché du travail, comme vous parlez. Mais il nous en manque quand même pour faire la production de base, beaucoup d'employés, ce qui fait qu'on refuse beaucoup de commandes. On avait déjà testé la main-d'œuvre étrangère il y a quelques années. On refait cette année, mais c'est des mois et des mois, même si on a raccourci un peu le délai, c'est des mois avant de pouvoir avoir de la main-d'œuvre. Quand on parle d'un marché saisonnier et qu'on sait qu'on a besoin de la main-d'œuvre, si on parle. À un moment donné, il y a des industries qui parlaient de 2 ans. On a peut-être réduit à 1 an et demi, 1 an. C'est très tard. On refuse beaucoup, beaucoup de commandes. On perd alors de la compétitivité versus le marché international parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour fabriquer. On travaille, c'est sûr, sur toutes les autres options d'essayer d'automatiser, mais on ne peut pas tout automatiser. Ce n'est pas possible de tout automatiser parce qu'il y a trop de tâches différentes dans beaucoup de PME, que ce soit chez Pélican, que ce soit dans beaucoup de PME. Un robot, c'est bon pour faire quand il y a beaucoup, on fait des milliers de pièces pareilles. Ce n'est pas la situation dans beaucoup de nos compagnies. Donc, les délais pour avoir du monde, toute la paperasserie qui est autour, les gens ne s'y retrouvent pas. Pélican est assez gros pour pouvoir embaucher des avocats et des firmes spécialisées, ce qui coûte entre 10 et 15 000 $ par employé venant de l'étranger pour avoir des employés venant de l'étranger qui travaillent bien, je suis d'accord, mais c'est assez coûteux. Ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre ça, qui ont l'expérience, le coussin pour pouvoir absorber tous ces coûts-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un peu comme on a dans le milieu agricole, la ferme, par exemple, qui peut faire venir des employés plus facilement? Il y a des programmes spéciaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelque chose du genre en place à Laval pour un regroupement d'industries qui serait intéressé à travailler ensemble pour avoir un bassin d'employés à se partager, mais sur un processus un peu simplifié, plus rapide que ce qu'on a? Je pense que ça fait le tour des questions, quand même. Oui, Marie-Christine. Marie-Christine, c'est des bons commentaires. Puis, bien sûr, je connais Pélican, puis j'ai beaucoup de respect pour la qualité de vos produits. Puis vous faites une belle description. En passant, je vous félicite pour faire des parties ou de l'assemblage par des clientèles un peu plus éloignées du marché de l'emploi. Je pense que ça, on a un niveau de sensibilisation à accroître au Québec sur la capacité et le potentiel de personnes un peu plus éloignées à faire du travail. Je vous félicite aussi pour analyser toutes les opportunités d'automatisation. Je sais que tout ne s'automatise pas. Là, il y en a beaucoup de PME où ce n'est pas simple. Ce n'est pas partout des tâches répétitives et ce n'est pas partout des tâches qu'il requiert. Vous faites référence à 3 éléments qui me préoccupent. Les coûts, les délais, puis la complexité du processus. Les coûts d'abord. 10 à 15 000 de frais d'avocat, je comprends que c'est pour les études d'impact sur le marché du travail. Puis ça, ça coûte cher. Puis c'est ça, un des assouplissements que j'ai négocié avec Ottawa va nous permettre de rajouter 37
métier, profession, dans le traitement simplifié. Puis on aura pu à faire les études de la même manière, puis ça va diminuer les coûts, puis il n'y aura plus de seuil. Donc, pour les coûts, là, il faut faire des efforts nouveaux, puis il faut tenter de les diminuer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je négocie beaucoup avec Ottawa. Pour les délais, je vous dirais, un enjeu qu'on a au Québec puis au Canada, c'est que la compétence en matière d'immigration, elle est partagée, comme vous savez, entre Ottawa et Québec. Puis le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme d'Ottawa, mais qui est géré par Ottawa et Québec. Et ça, ça m'ennuie parce que ça engendre certains dédoublements, puis c'est responsable de certains délais. Et ça, moi, j'en parle, puis j'en parle encore ce soir. J'ai une rencontre avec mon nouvel homologue à Ottawa, M. Fraser. J'aimerais ça qu'on récupère à Québec la gestion de ce programme-là pour qu'on puisse l'opérer puis l'appliquer de manière plus compatible avec nos besoins. Mais les délais, je vous dirais, Marie-Christine, au Québec, c'est 63 jours pour une demande en vertu du PTET. Mais après ça, pour l'émission du permis de travail, bien sûr, c'est un peu plus long avec Ottawa, mais je vais continuer à faire des pressions le plus possible. La complexité du processus, je pense que vous faisiez référence à des emplois non spécialisés. Dans les catégories, parce qu'il y a cinq, il y a une catégorie 0, A, B, C et D. Et les catégories C et D, c'est des emplois qui sont généralement moins rémunérés et qui requièrent moins de qualifications. Les énergies que nous avons mises dans le processus de négociation avec Ottawa, c'est pour les jobs C et D, donc des emplois moins spécialisés, pour permettre aux entreprises qui ont ce type de besoin-là d'avoir accès plus rapidement à des coûts moins élevés puis une procédure moins compliquée à des travailleurs étrangers temporaires. Donc, je pense que ça s'est amélioré, puis j'espère que cette année, Marie-Christine, vous allez avoir un accès plus facile à des travailleurs étrangers temporaires. Deux derniers points, il faut que vous sachiez qu'au MIFI, on a un portail employeur qui est un service de référencement. Et si vous vous inscrivez à ce portail-là, bien, il y a un conseiller en immigration du MIFI qui va entrer en communication avec vous et qui va faire un accompagnement de proximité personnalisé pour vous aider à accélérer vos procédures, puis compléter les formulaires, puis peut-être avoir un peu moins recours à des services spécialisés externes. Ce portail-là, il est important. Deuxièmement, je veux que vous sachiez qu'on fait des missions de recrutement international avec trois partenaires non gouvernementaux. Montréal International, Québec International, puis la Société de développement économique de Drummondville. Puis celle de Drummondville a réussi à fédérer beaucoup de sociétés de développement économique dans les régions, mais ici à Laval, Montréal International a beaucoup de ressources. On a une entente de partenariat avec eux et il se fait du recrutement spécialisé dans les secteurs où on est en déficit de main-d'œuvre. Fait que ça, certainement, que nous pourrions, avec un conseiller en immigration, vous accompagner pour vous permettre de comprendre ce que Montréal International, dans ses missions de recrutement qui se font virtuellement, là, évidemment en raison de la pandémie, a aidé à répondre à vos besoins. Puis dans mon ministère du Travail et de l'Emploi, on a aussi de l'aide financière, on a de l'accompagnement. Puis il y a deux ans à peu près, on a permis une intégration, un travail en symbiose. Conseiller en immigration, on a à peu près 66 personnes du ministère de l'Immigration qui sont dans les bureaux de Service Québec, qui travaillent côte à côte et qui évitent qu'on travaille de façon compartimentée. Donc, on fait l'accueil des personnes qui viennent de l'extérieur pour les aider à s'intégrer à la communauté, puis bien sûr, dans les marchés de l'emploi. Puis on a un accompagnement Québec et qui va vous aider à assurer leur intégration, puis il y a de la francisation. Mais souvent, je fais appel, tu sais, la Chambre de commerce de Laval, là,
Je rappellerai à tous les membres que nous, au gouvernement, on a un défi de faire connaître ce qu'on fait. Mais je vous le résumerai en disant, il y a de l'accompagnement de proximité, personnalisé, qui peuvent vous aider à vous démêler dans les dédales. Vous avez parlé de bureaucratie. C'est vrai qu'il y en a trop de bureaucratie. On essaie de l'alléger le plus possible, mais n'hésitez pas à faire appel à nos ressources. On a des personnes hyper compétentes à Service Québec, à Immigration Québec, pour vous aider à répondre à vos besoins. Moi, je disais, les délais de traitement des demandes en vertu du PTET, 63 jours ouvrables au Québec, mais si vous voulez connaître les délais de traitement de Immigration, IRCC, le Réfugié Canada, vous pouvez aussi aller sur le site web pour avoir plus de précisions sur les délais. Mais on va tout faire pour continuer à faciliter le processus et permettre qu'il soit utile et répondre à vos besoins. Merci, Marie-Christine. Merci, Monsieur le ministre, parce que effectivement, puis c'est le fun parce qu'on reçoit on a de l'information qui vient de certaines entreprises, entre autres en transformation alimentaire, une entreprise qui dit qu'on on est un secteur, on est en pleine surchauffe actuellement pendant toute la période de pandémie et ils se sont mis dans une situation actuellement où est-ce qu'ils devaient même refuser certains contrats. Même nous mentionnaient des fois être obligés de payer envisager payer des pénalités de retard de production parce qu'ils sont justement en pénurie de main-d'œuvre et avec tout ce qui s'est passé, avec toutes sortes de niveaux au niveau des chaînes d'approvisionnement, l'impact à l'interne des entreprises se fait sentir et les besoins sont criants. Les gens demandaient, je pense que vous y aviez fait référence, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous mentionner un petit peu au niveau des délais pour accepter les demandes? J'ai cru comprendre de ce que vous disiez tantôt qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas que du ressort du ministère et qu'il y avait plusieurs acteurs là-dedans. Et voir sur quel bouton on était capable de pousser pour justement contribuer de part et d'autre là, à réduire certains de ces délais-là. Je ne sais pas si M. le ministre ou Marie-Christine, au niveau de Pélican, est-ce que vous vivez mutuellement de ce côté-là, les entreprises avaient une question à ce sujet-là? Bien, peut-être dans un premier temps mentionner que la transformation alimentaire, c'est un des secteurs de catégorie D qui a bénéficié des assouplissements, puis d'un passage d'un seuil de 10 à 20 %. Donc ça a été accueilli de façon très, très favorable, là, puis j'espère juste que ça va pouvoir être mis en application de manière diligente. Quant au délai, bien, c'est le délai de traitement ici à Québec qui est de 63 jours. Puis si on veut connaître le délai de traitement à IRCC à Ottawa, c'est d'aller sur ce site-là. Je pense que les délais sont appelés à se raccourcir. Ce qui a été problématique, c'est durant la pandémie, avec la fermeture des frontières, à Ottawa, ils ont arrêté de traiter. Évidemment, puis je le comprends, ce n'est pas une critique que je fais, pendant 6 mois. Des lettres des permis de travail, notamment, et de faire des admissions. Donc, c'est sûr que ce 6 mois-là a engendré un inventaire additionnel, mais je pense qu'on fait beaucoup de rattrapage et on va s'assurer que la marge de manœuvre qui a été dégagée par les non-traitements en 2020, on va être capable de la rattraper. Quand je dis la compétence partagée, il y a 2 mots qui m'apparaissent clés pour comprendre pourquoi des fois ce n'est pas simple. On sélectionne à Québec, puis on admet à Ottawa. Donc, à Québec, on a des cibles de sélection, les réfugiés, la réunification familiale, les travailleurs qualifiés et autres. Et pour l'octroi de la résidence permanente, ça relève d'Ottawa, ou les réfugiés ou la réunification familiale. Vous avez entendu M. Legault demander le rapatriement de tout le volet réunification familiale de l'immigration, mais donc on choisit à Québec et on admet à Ottawa. Fait que c'est sûr que si on avait la possibilité de choisir, de sélectionner à Québec et d'admettre à Québec, bien moi je pense que ça faciliterait, puis je le dis exactement comme ça quand j'ai des communications avec M. Fraser, Mme Cointreau, puis avant c'était M. Mendicino. Voilà, je ne sais pas si Marie-Christine avait des commentaires dans le vécu. Ce,
représente bien ce qu'on a vécu quand on l'a fait, de, qu'il fallait passer un niveau, puis après passer l'autre niveau, qu'on arrivait à passer. On n'avait pas... On attendait toujours après l'autre niveau, ce qui augmentait les délais finalement. Donc, des fois, ça ressemble aux mêmes questions même. Et c'est la même chose. Et Marie-Christine, il y a un des problèmes que je constate aussi, c'est que l'étude d'impact sur le marché du travail, là, c'est une étude qui permet de démontrer qu'on n'est pas capable, notamment, de puiser localement ou d'aller recruter localement la main-d'œuvre qui justifie d'aller recruter la main-d'œuvre à l'étranger. C'est fait comme à deux niveaux. C'est fait ici au ministère de l'Immigration et c'est fait aussi à Développement social Canada. Là, puis c'est conjugué ensemble, mais c'est des personnes du service public québécois qui travaillent avec des personnes du service public fédéral, puis c'est pas toujours sain. Mais moi, je m'associe à vos préoccupations, Marie-Christine. Puis je pense qu'on a fait un pas en avant, puis là, bien, la pandémie étant un peu plus, bien, souhaitons là, que Omicron soit le plus rapidement possible derrière nous. Puis moi, c'est un de mes objectifs, Marie-Christine, que tout ça, ça aille beaucoup plus vite. D'accord. Puis vous avez parlé de soutien parce qu'on a beaucoup, il y a beaucoup de petites entreprises. Ce n'est pas facile pour eux de s'y retrouver là-dedans au départ du processus, mais aussi à l'accueil des immigrants. Une partie des coûts, quand je parle de 10 à 15 000 $, c'est au moment de l'accueil, le billet d'avion pour les faire venir, l'assurance qu'il faut couvrir avant qu'ils soient couverts par l'assurance, le logement qu'il faut leur trouver, les aider à avoir un compte en banque, à aller chercher la nourriture, donc tout ce qui est l'intégration. Pour une petite compagnie, c'est beaucoup, puis ils ne sont pas outillés. Ils n'ont pas toujours même un service de ressources humaines. Ils ne sont pas outillés pour faire tout ça. C'est beaucoup. Marie-Christine, c'est tellement fondamental. J'en aurais tellement à dire. Mais dans l'entente qu'on a faite avec Ottawa, on s'est appuyé aussi sur un consensus québécois, la Commission des partenaires du marché du travail, parce que les syndicats, ils ne souhaitaient pas nécessairement qu'il y ait plus de travailleurs étrangers temporaires dans certains secteurs, évidemment pour en partie protéger la main-d'œuvre locale, puis les employeurs le souhaitaient. Puis il y a eu une entente qui fait partie de ce consensus-là, puis les employeurs, pour les jobs qui vont passer au traitement simplifié, vont devoir s'investir dans les frais de transport, les frais de logement, puis l'assurance maladie. À mon ministère du Travail, on a de l'aide financière pour les entreprises comme Pélican qui participeraient à des missions de recrutement. On a des subventions pour faire un diagnostic RH. Puis dans les PME où il n'y a pas de département des ressources humaines, je suis fier de dire qu'avec des conseillers aux entreprises, on les a aidés financièrement puis à monter un département de ressources humaines puis rendre leur pratique de recrutement et de rétention des employés plus sophistiqués ou plus modernes. Puis on peut aussi subventionner, il y a des frais admissibles, Marie-Christine, les honoraires pour services professionnels, on assume des coûts. Évidemment, il y a des plafonds, mais des frais de déplacement, des locations d'équipements essentiels, des locations de locaux, des frais d'administration, des frais de formation destinés. Puis on a évidemment les coûts de francisation, mais Marie-Christine, j'aimerais tellement ça que vous puissiez rencontrer un conseiller de Service Québec ou un conseiller MIFI ou les deux en même temps, puis qui vous indique quel type d'accompagnement personnalisé de proximité on est en mesure de vous offrir. Je me permettrais de faire le pont parce que je pense que vous venez d'évoquer certaines des choses que plusieurs de nos toutes petites PME. Marie-Christine, avec Pélican, on s'entend que c'est une belle entreprise internationale, mais 80% dans nos TPE et nos petites entreprises, incluant les commerces, qui eux aussi vivent des soucis au niveau de la main-d'œuvre dans des métiers non spécialisés, sur leur territoire, sont bien préoccupés par la capacité d'être capable d'aller chercher. Ils n'ont pas à l'interne des départements de ressources humaines, ils n'ont pas les expertises ni le temps, surtout actuellement, pour pouvoir justement aller oser recruter de façon traditionnelle ou même oser recruter de façon autrement, dans les marchés éloignés ou autres actuellement. Et la plupart d'entre elles, donc, nécessitent un certain accompagnement
un certain support bien spécialisé. Vous aviez fait référence tantôt, M. le ministre, à plus d'une occasion, justement, à certains services que maintenant le MIFI ou le ministère du Travail offre. Peut-être les rassurer par rapport à ça, ces toutes petites entreprises-là qui n'ont pas les expertises et qui avaient l'habitude de travailler avec des programmes externes. Caroline, c'est tellement bien dit. Souvenez-vous, dans la première année, suite à mon assermentation, j'avais lancé ce qu'on appelait la grande corvée. Et les conseillers de mon ministère sont devenus des consultants en entreprise. Ils sont équipés, ils ont les ordinateurs, ils ont les tablettes, ils ont tous les outils pour bien répondre puis bien accompagner les entreprises. Puis on a mis en place une plateforme numérique pour faire l'arrimage entre les employeurs qui s'y inscrivent et les personnes. Et l'arrimage se fait par l'utilisation de l'intelligence artificielle puis de la géographie aussi. Donc, c'est comme si les employeurs pouvaient bénéficier d'une première entrevue déjà complétée et qui, donc, tirait avantage d'avoir ce qu'on appelle un shortlist pour répondre à leurs besoins. Mais je le dirai jamais assez, puis quand je parle aux associations patronales, constamment, puis je fais des webinaires, là, puis on explique, puis Caroline, à un moment donné, là, si tu veux en faire un webinaire à la Chambre de commerce de Laval avec un de mes sous-ministres associés, puis ma présidente directrice générale de la Commission des partenaires du marché du travail, n'hésite pas. Parlement, puis ça pourrait être un webinaire de 45 minutes ou une heure où eux vous expliqueraient tous les corridors que les entreprises peuvent emprunter pour répondre à leurs défis de recrutement puis de rétention. Et ça, ça génère d'immenses bénéfices parce que là, tu as un peu à la carte ou tu as un menu de... Et puis tu décides après ça ce que tu as besoin puis tu communiques avec un consultant. Tu sais, je vais juste te donner l'exemple. Audi 4.0 que j'ai mis en application avec mon collègue à l'économie innovation. Donc, c'est le MEI puis le MTES. Une entreprise qui a des besoins financiers pour acquérir des nouvelles technologies, par exemple, elle pourrait faire affaire avec Investissement Québec régional, par exemple à Laval, et voir les opportunités de financement. Puis après ça, elle se dit, ça va donner quoi? Puis j'aurais besoin de quoi? Donc, il y a un conseiller de mon ministère qui peut aller sur place, faire un diagnostic, établir les besoins en formation, puis après ça, faire un plan, tant pour les gestionnaires que pour les employés, pour leur permettre d'acquérir des connaissances numériques, des connaissances littéraires ou des connaissances technologiques avec des subventions pour l'entreprise pendant ces périodes de formation-là. Donc ça, pour moi, c'est de l'accompagnement qui est véritablement concret. Donc, j'essaie beaucoup dans l'exercice de mes fonctions, Caroline, pas que de dire, mais d'agir, puis d'être là sur le terrain. Puis pour moi, là, c'est mes yeux puis mes oreilles, puis ça donne véritablement des résultats. Tu sais, les programmes de requalification, là, il y a un nombre incalculable de Québécois, Québécoises qui en ont profité pour se réorienter dans des secteurs d'avenir qui ont des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail et autres. Donc, ce défi-là de connaissances, là, vous pouvez certainement, Caroline, aider vos membres à le relever puis à être un peu plus sensibles à tout ce que nous faisons à Québec pour les aider. Monsieur le ministre, ça fait du bien au nom des entreprises d'entendre justement qu'on est en mode solution. Vous êtes sur le terrain également. Je vois l'heure qui avance. On arrive donc à la fin de notre période de panel actuellement. Les suites de votre grande corvée. Je remarque également dans le chat que l'équipe a également mis l'information pour Service Québec à Laval, pour ceux qui veulent rejoindre l'équipe. Alors, c'est disponible. Anne-Marie qui se rejoint à nous. Merci Anne-Marie d'être encore parmi nous. Alors, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde de pouvoir justement inviter vos équipes et sous-ministres adjoints ou sous-ministres justement du CRPMT et autres. Pour pouvoir continuer. La Chambre de commerce demeure un trait d'union
entre les besoins de ces entreprises-là, l'accompagnement des entreprises et également tous ceux qui peuvent et qui veulent faire une différence. Alors, à travers vos deux ministères maintenant, encore une fois, félicitations pour la nouvelle nomination du mois de novembre. Et donc, Marie-Christine, Anne-Marie, est-ce que vous aviez un petit mot de la fin avant de remercier justement Monsieur le ministre d'avoir été des nôtres? Bon, je veux remercier M. le ministre de nous avoir écoutés. Je pense que ça permet de bien comprendre l'importance du besoin de main-d'œuvre pour les entreprises. Je suis d'accord sur le fait qu'on peut améliorer la productivité partout. Un peu d'automatisation, mais ce n'est pas la solution miracle à tout. Exact. Un invité au mois de février avec qui on va en reparler. Je pense qu'on peut travailler, par contre, au niveau de la productivité, c'est certain. On peut travailler. Le Québec n'est pas réputé pour être l'endroit le plus productif au monde, en général. Malheureux. C'est ça. Donc, je suis d'accord que là-dessus, on peut enlever toutes les tâches à valeur non ajoutées quand on parle en productivité. Anne-Marie? Hop, on ne t'entend pas, Anne-Marie, malheureusement. Hop, on se réessaye. Je veux également vous réitérer, M. le ministre, nos remerciements pour votre présence aujourd'hui. C'est vraiment intéressant d'entendre votre écoute, mais également, je pense que pour nos membres, de voir qu'il y a des solutions et qu'il nous reste encore du travail à faire, cependant. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci, Caroline, et merci, Marie-Christine, pour votre participation aujourd'hui. Merci Anne-Marie. On continue à se mettre aux différentes évolutions dans les programmes, les ministères. Je veux dire, avec les années, on sent qu'il y a des ajustements et les organisations sur le terrain, on s'ajuste et on s'adapte également. On demeure à l'écoute de nos entreprises. Et donc, M. Boulay, évidemment, on va continuer avec vos collègues le 24 février avec M. Fitzgibbon qui vient à la Chambre et je souligne que le 21 mars, là, c'est prévu en présentiel, celui-là, un petit lunch, on a bien hâte, avec M. Charrette, Benoît Charrette, qui est à la fois le ministre de l'Environnement, Lutte et Climatique, mais également reste pour la région de Laval. Alors, au courant, on va avoir d'autres tribunes politiques qui vont continuer le travail qu'on fait avec nos entreprises. Encore une fois, à vous et vos équipes, merci. Hey Caroline, merci beaucoup. Merci à toi. Salutations à tous les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Marie-Christine, merci. Bonne chance dans vos projets d'entreprise future. Puis Anne-Marie, bien, salutations à tous mes amis de Deloitte. Puis continuez votre beau travail de consultant. Puis Caroline, on aura certainement l'occasion de se rencontrer en présentiel quand tout sera permis au niveau sanitaire. Merci permis, beaucoup. Permis, disponible, accessible. Avec merci et puis avec grand plaisir. Alors, à vous tous qui nous écoutez, merci, M. le ministre, d'avoir été des nôtres. Et puis, pour les quelques participants qui restent et qui souhaiteraient des informations complémentaires, si vous souhaitez communiquer avec nous, des questions que vous avez qui sont résiduelles, je vous invite donc à communiquer avec le chat ou si jamais les équipes actuellement, les équipes techniques là, permettent, nous autres, ça va nous faire plaisir aux gens qui veulent se joindre là, à la discussion. On reste disponible pour vous encore quelques instants. Alors, voilà. Alors, c'est un début d'année avec une nouvelle tribune politique à la Chambre de commerce. On a eu un certain nombre de potentiels. N'hésitez pas, après cet événement-ci d'aujourd'hui, nous communiquer vos questions, vos demandes à la Chambre. On va non seulement s'assurer qu'avec les cabinets du ministre, on puisse poursuivre le travail de la Chambre. Mais ça ne se fait pas tout seul, alors c'est grâce à vous tous qu'on est capable de le faire. Prochaine rencontre, telle qu'on l'a mentionné tantôt, 21 mars avec Benoît Charrette. Alors ça, c'est le fun, je vous l'ai dit. On va pouvoir le faire en présentiel lors d'un midi-causerie et également les autres rencontres, dont M. Fitzgibbon. Alors voilà. Marie-Christine et Anne-Marie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et ceci met fin à la rencontre de la tribune politique d'aujourd'hui. Merci à tous.